Alors vive le 53e et vive la CGT. Je te remercie. Leïla, au micro 2. Et se prépare... C'est dur sans les lunettes, en fait, quand on est trop... Benjamin Briand, au micro 1. Bonjour, chers camarades. Bonjour, chers invités. Je me présente, je suis Leïla Chatraoui, de la FAPT 93, UD 93, secrétaire générale de la FAPT 93 et élue au CSE d'Orange DTSI, le plus gros CSE sur le collège cadre. L'évolution du salariat montre qu'il y a de plus en plus de cadres, particulièrement dans les entreprises donneurs d'ordre, telles que La Poste ou Orange, mais également dans les entreprises à haute technicité, telles que le numérique, exemple d'entreprises sous-traitantes de La Poste, comme Isoscale ou Softim. Il est indispensable d'aller en direction de cette population pour embrasser l'ensemble du salariat, pour transformer leurs aspirations en revendications, pour développer la représentativité de la CGT, développer la syndicalisation, car un ICTAM sur deux n'a pas accès à la CGT du fait de son isolement ou des éloignements de leur lieu de travail. Comment fait-on pour sortir les cadres de leur isolement afin de leur permettre de parler librement, de réfléchir sur eux-mêmes et de travailler leurs revendications ? Le sens du travail, leurs conditions de travail éprouvées avec le télétravail, le flex-office, le forfait jour, la déconnexion, les qualifications, les salaires, etc. Tout ceci est possible, voici quelques exemples. Une section a été créée au siège de La Poste en septembre dernier, où il y a une dizaine d'adhésions de cadres supérieurs. Ils se réunissent tous les mardis pendant la pause déjeuner. Deuxième exemple, Isoscale, filiale de Mediapost, qui elle-même est filiale de La Poste, est une entreprise qui regroupe plusieurs anciennes start-up, exclusivement composées d'ingénieurs informaticiens. Les élections professionnelles vont avoir lieu au printemps. Seules deux listes ont été déposées, la CFE-CGC et la CGT. La liste CFE-CGC n'est pas valable car elle n'est pas paritaire. Troisième exemple, l'exemple de Start People, entreprise intérim sur différents secteurs dont La Poste, où nous venons de gagner la majorité aux élections professionnelles et un siège de cadre. Dans notre champ fédéral FAPT, nous avons fait 103 adhésions de cadres depuis le début de l'année, soit plus de 63 de date à date. C'est historique. Le mouvement social que nous vivons y participe, car nous sommes dans une lutte très forte et si on s'organise, il est possible de massifier la lutte en rassemblant nos forces face aux déserts syndicaux. L'Interpro et nos structures locales, départementales, régionales et fédérales et l'UGICT peuvent nous aider à l'image de ce qui est fait sur le département du 93 au niveau interprofessionnel avec des actions mensuelles de tractage aux abords de RER Métro où se trouvent les grandes entreprises et les administrations Saint-Denis, Stade de France, Bobigny ou durant les pauses méridiennes. Citons l'exemple des télécoms. L'exemple de l'intersyndicale, initié par la CGT, où les OS, CFDT, Sud et FO Solidaire se sont associés pour des actions fortes sur les sites de Rennes, Bagnolet, Toulouse, mercredi dernier, le jour où Orange annonçait la suppression de 669 postes dans la direction SCE, où la moyenne d'âge est de 51 ans, au lendemain du passage en force de la retraite à 64 ans et la création du CDI senior. Une assemblée générale est prévue bientôt. Une autre lutte contre la disparition de la supervision. Vous savez, donc la supervision à Orange, elle a été placée sous le feu de l'actualité lors de la panne des numéros d'urgence. Sachez que la CGT, elle a gagné 22 promotions pour les cadres. Mais ce n'est pas assez. On veut des embauches, améliorer les conditions de travail. On veut des augmentations de salaire pour tous. La reconnaissance, le maintien des services ETC, environnement technique à Lyon. Des salariés veulent finir leur carrière sans changer de métier. Depuis hier, les salariés donc, de la direction V360, direction du supervision du réseau à Orange, sur tous les sites, Toulouse, Lyon, Lille, Paris, Rennes, Nantes, sont en grève. 100% de grévistes dans les équipes ADSL de Paris depuis hier soir, idem pour demain, sur Lille, sur Lyon, etc. La supervision du réseau, elle n'est plus optimale depuis. Les responsables ont refusé de faire le backup. C'est la preuve que lorsque nous prenons la peine de discuter avec eux, ils adhèrent à nos idées. Je te remercie. Je termine.
Alors, ne nous gênons pas, plaçons les ICTAM et les cadres dans nos enjeux et poursuivons notre conquête, car on est la CGT, le syndicat des travailleurs, et quel que soit donc leur statut. Vive le 53e congrès, vive la CGT. Merci. Benjamin au micro 1, et se prépare William Bama au micro 2, et ce sera le dernier intervenant. Ou la dernière intervenante, pardon. Exact. Donc. Micro 1, c'est là ? Oui, c'est là, micro 1. C'est parti. Chers camarades, chers congressistes, je tiens à vous dire, en tant que primo-congressiste, de ma totale satisfaction quant à la teneur des débats jusqu'ici. Le fait que le congrès soit animé d'un débat contradictoire sur les idées plutôt que sur les personnes, telles qu'on voudrait nous le faire croire, cela s'inscrit totalement dans l'histoire de la CGT. Camarades, la CGT est unie et sortira unie de ce congrès. L'artificialisation des dissensions comme cadre indépassable pour notre confédération n'existe pas. Depuis sa création, le débat est dans notre ADN. Et c'est ce qui se passe dans les congrès de toutes nos structures. Et des fois même, on se dispute. Alors assez de « j'ai mal à ma CGT », assez de leçons sur la lutte, débattons. J'ai porté au nom de mon syndicat des amendements concernant le deuxième thème du document d'orientation et en l'occurrence sur la place du syndicalisme spécifique dans nos structures et organisations. Nous avons fait le constat que la rédaction concernant le syndicalisme spécifique manquait d'engagement et d'ambition de la part de la Confédération. Je tiens à vous faire état de ce qui s'est passé dans l'Institut géographique national, parce que je fais partie de l'IGN, à l'occasion des élections professionnelles du 8 décembre dernier. La CGT est devenue le syndicat majoritaire de l'Institut en remportant plus de 60% des votes exprimés sur les 4 scrutins. C'est historique puisque depuis plus de 40 ans, nous occupions la seconde place. Alors comment ? Si nous avons bénéficié de la médiocrité des autres organisations syndicales de l'Institut, nous avons construit une campagne considérant la transformation sociologique du salariat dans l'établissement, passer d'un collectif d'agents majoritairement composé d'agents de terrain et de techniciens pour faire la carte, à un développement de la place des ICTAM pour construire de la data géographique. Et c'est bel et bien en considérant que les ICTAM sont autant soumis aux pressions que l'ensemble du salariat sur les salaires, le temps de travail, mais en subissant en plus la perte du sens du travail et l'obligation d'appliquer des décisions sur lesquelles ils ne peuvent quasiment plus intervenir, que nous avons construit notre campagne électorale. Et dès lors à chercher à construire avec les ICTAM les axes revendicatifs répondant à leur quotidien. Ainsi, nous avons poussé pour des revendications avec lesquelles nous n'avions pas l'habitude, entre guillemets, le sens du travail des cadres et qu'est-ce que le reporting des produits comme souffrance, de quoi les ICTAM ont besoin pour bien faire leur travail, quelle adéquation entre le temps de travail et pour quelle reconnaissance. Cela nous a permis d'ouvrir la discussion notamment à travers la mise en place des cafés cadres. Et depuis le début de l'année, nous syndiquons deux camarades par semaine, bien souvent des ingénieurs et des techniciens. Des cadres participent et viennent dans nos manifestations depuis le cortège du 19 janvier. Alors quoi ? Nos amendements proposent de soutenir la place d'un référent ICTAM avec les objectifs de constituer des collectifs. J'ai pu voir que ça avait été repris et nous sommes satisfaits de la nouvelle rédaction. Mais aussi en engageant une campagne confédérale nationale de syndicalisation des ICTAM en lien avec l'UGICT, puisque c'est indispensable, l'UGICT doit être soutenu par tous les moyens. La CGT a bien trop souvent, entretenu une posture de bouffeur de cadre. On nous faisait la démonstration aujourd'hui à la CGT de l'IGN que c'est par l'addition des forces sur l'ensemble de l'échelle du salariat que nous transformerons en profondeur le rapport de force. Enfin, je finirai par un commentaire sur le mouvement actuel de réforme des retraites, si je peux me permettre, puisque notre fédération n'est pas beaucoup intervenue jusqu'ici, la Fédération nationale des équipements environnement. Le pouvoir est aux abois et cherche des portes de sortie honorables, mais sans retrait de la réforme. Il n'est pas le moment pour s'engager dans une médiation ou pour une pause pour négocier, mais plutôt d'arrêter les journées saute-moutons pour proposer une manifestation nationale à Paris, engageant des bus et des trains pour permettre à tous les camarades de monter à ce rassemblement.
3 millions de personnes dans la rue en France, c'est historique. Tu peux conclure, camarade. Je termine. Mais imaginez 3 millions et demi de personnes à Paris, là, ça aurait une autre gueule. Vive la CGT et surtout, vive la lutte. Je te remercie et on va laisser la parole à William au micro 2. Et je précise quand même que c'est la plus jeune intervenante de cette séance. À toi. William Bama, territoriaux de Besançon, UD du Doubs, Fédération Service Public. Chers camarades, je tenais à intervenir sur le point sur la jeunesse et plus particulièrement sur les salariés étudiants et la nécessité de syndiquer ces salariés étudiants. Aujourd'hui, plus d'un étudiant sur deux est salarié pour financer ses études, soit 6 sur 10 contre un étudiant sur 10 dans les années 80. La proportion de salariés étudiants ne fait que croître et montre malheureusement la précarité qui touche cette population. Aujourd'hui, nous avons besoin de répondre à cette problématique. Ces salariés étudiants se retrouvent propulsés dans le monde du travail face au patronat sans connaître le droit. Je suis moi-même salariée étudiante. En tant que salariée étudiante, nous sommes intervenus dans des situations graves. Absence de contrat de travail, licenciement oral, oui. Les salariés étudiants s'organisent et refusent d'être cette main-d'œuvre docile et exploitable. Ils constituent des syndicats inter-entreprises car ils changent de travail tout au long de leurs études et dans les mêmes années de leurs études. Ils ont besoin de structures pour les accueillir, leur donner les moyens de s'investir, de lutter et de militer, surtout de défendre leurs droits en tant que travailleurs. Des initiatives, des syndicats expérimentaux existent aujourd'hui. Dans le Doubs, avec le syndicat des salariés étudiants, à Saint-Étienne, avec l'organisation OSE, l'organisation des salariés étudiants. Cette organisation, avec ses salariés étudiants, sont entrés en lutte contre cette réforme des retraites et se sont mis en grève. Et ça, nous pouvons les applaudir. Ils sont dans la lutte aujourd'hui. Dans ce congrès, nous avons à maintes reprises souligné le rôle de la jeunesse et leur place dans la CGT. Aujourd'hui, nous devons nous adresser à une partie de cette jeunesse, les salariés étudiants, qui ont ce double statut, comme vous l'avez compris, d'être à la fois dans le monde du travail et celui dans les études. Nous devons leur donner les moyens de s'organiser afin de pouvoir militer sur la reconnaissance de ce statut dans leur lieu de travail et dans leur lieu d'études. Cette syndicalisation s'adresse bien évidemment aux étudiants qui travaillent, et non les étudiants qui ne travaillent pas et les lycéens qui ne travaillent pas. Je vous remercie pour votre attention et merci aux salariés étudiants qui se mobilisent aujourd'hui dans la lutte. Merci camarade. C'est pas facile de prendre la parole. Une communication. Vous avez tous remarqué et apprécié les deux comédiens qui sont intervenus tout à l'heure à la reprise de nos travaux cet après-midi. Donc la culture sous toutes ses formes nous aide à réfléchir. Cela s'appelle l'éducation populaire. Or, ces comédiens se sont fait agresser verbalement par 3 camarades du Congrès. Nous tenons à leur présenter toutes nos excuses au nom du Congrès de la CGT. Je vais passer la parole à Catherine Giraud qui va essayer de regrouper un petit peu toutes les interventions qui ont eu lieu dans un temps super court. Je te remercie Catherine. Alors, mes camarades, je vais faire très court. Déjà, d'une part, je vous appelle au respect. Je vous invite à rester parce que derrière nous, il y a encore une table ronde. Elle dure un quart d'heure. C'est pas très long. Mais les camarades viennent de loin pour témoigner de ce qu'ils font, notamment sur les questions de la jeunesse. Et ça fera écho avec le témoignage de notre petite camarade du Doubs,
et de cet enjeu de syndiquer les étudiants salariés, ce que nous proposons dans notre texte. Je vais remercier quand même la commission parce que on a eu bien sûr une commission, j'allais dire historique, avec moi, Laurent, Marc et puis les autres que vous allez voir travailler pendant un an. Et puis on a été évidemment enrichi pendant ce congrès. Les trois camarades qui sont avec nous sont le reflet, les autres sont en coulisses. Et nous avons enrichi encore le texte ensemble dans un très bon état d'esprit, constructif, pour trouver à faire que le texte nous ressemble à tous et qu'il soit porté par toutes et tous. Voilà, donc rapidement, pour rassurer peut-être sur quelques points, mais vraiment rapide, et demain, peut-être on complétera. Notre ambition, c'est d'avoir dans le texte autant de syndiqués femmes, hommes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Notre ambition, c'est que les violences sexistes et sexuelles cessent dans notre organisation. C'est ce que nous devons à nos camarades, femmes, pour qu'elles puissent militer en toute sécurité. Notre ambition, c'est que le cadre commun soit le bien commun de toute la CGT. Notre ambition, c'est que la parole des victimes soit considérée. On a parlé aussi évidemment des ICTAM, cadres ingénieurs techniciens agents de maîtrise. Le texte a été enrichi sur cette question-là. Nous sommes attentifs bien sûr à ces catégories essentielles pour notre organisation et notamment, vous verrez, a été rajouté de faire des listes sur les deuxième et troisième collègues. Donc il y a un nombre de vos amendements qui ont été repris. Comme sur les unions locales, nous sommes tous conscients, et ça a été énormément demandé à ce que les unions locales soient rajoutées dans plein d'endroits du texte, nous l'avons fait. Nous sommes tous conscients, je crois, parce que ça ressort régulièrement dans nos débats, que ces structures sont primordiales en termes de proximité d'accueil des syndicats, des syndiqués. Notre texte va dans ce sens-là. Nous n'avons pas pu reprendre ce qui ressortait des deux jours de débat de la conférence sur les UL parce que notre texte a été rédigé avant. Nous en faisons référence, mais voyez que nous n'avons pas pu nous appuyer dessus. Il en va, bien sûr, sans nul doute, que ce sera le cas sur le mandat. La carte permanente, on l'a appelée carte syndicale permanente, du coup, maintenant, dans notre texte, numérique, bien sûr, a surtout vocation à moderniser notre organisation syndicale et à sortir d'un carnet un peu vieillot, vétuste, où on colle des timbres. Mais ça ne remet en aucun cas en cause la place de nos syndicats. Et comme l'a dit Laurent dans notre introduction, fédéralisme, démocratie, qui sont nos piliers, seront respectés. Cette carte ne remet pas en cause tout ça. Elle s'appuie sur l'arrivée de la modernisation de notre outil cogiciel. Ce sera une expérimentation pour rassurer ceux qui craignaient que nous allons trop vite sur ce sujet qui pourtant avait été validé il y a bien longtemps dans notre organisation. Sur les élections professionnelles, on va parler de méthodes globales dans notre document et vous l'avez tous souligné. Enfin, moi je suis très fière de ma CGT cet après-midi, les débats ont été hyper riches. Vous avez imaginé tout ce qui a été mis en avant, enfin qu'on retrouve hein, l'état d'esprit de notre document. Il va vraiment dans ce qui a été porté aujourd'hui. Une méthode globale d'approche pour les élections professionnelles, c'est-à-dire qu'on ne dissocie pas syndicalisation, élections professionnelles et revendications. Construire nos revendicatifs, gagner. Tout ça, ça fait une seule et même démarche qui donne du sens à notre organisation. Et enfin, peut-être, je suis peut-être trop longue déjà, mais c'est un sujet d'importance nous-mêmes quand même, mes camarades. Parler de ce qu'on appelait
vulgairement peut-être dans notre ex les isolés, qui est devenu maintenant les individuels. Terme peut-être plus consensuel, mais faisons attention à ce que les termes consensuels n'effacent pas la dure réalité de nos camarades, qui sont bien souvent privés de vie syndicale. Donc là, il va falloir qu'on travaille cette question-là sérieusement. Ils sont plus de 100 000 dans la CGT. Voilà donc, place aux jeunes. Et je, bien sûr, je ne traite pas des sujets qui ont été portés par certains sur le thème 1 ou le thème 3. Et sur l'actualité, ce n'est pas notre rôle. Et je laisse la place à la table ronde des jeunes. Je vous remercie de les accueillir. Je te remercie, Catherine. On informe quand même les membres du CCN que le CCN se tiendra à l'issue de la fin de la séance. Donc, vous n'en allez pas tous. Hein. Les portes s'ouvriront qu'au moment de la fin de cette séance. Je propose qu'on accueille de suite sur la table ronde de la place de la jeunesse dans la CGT. Et donc j'appelle les camarades à venir nous rejoindre. Donc on a Andrew Renaud, Nicolas Cuvillier, Agathe Leberdet et avec l'animateur de cette table ronde qui est Victorien Patte. Voilà, donc je vous invite à venir sur la tribune. Pour information, on s'est renseigné pour savoir si les bus, ils vous attendraient, mais à mon avis, ils vont vous attendre. Donc ne vous inquiétez pas, on attend le retour. On a posé la question et on vous tient au courant en temps réel, bien sûr. Donc les camarades, pour les jeunes, c'est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chers camarades. Pour ce débat sur la place de la jeunesse dans la CGT, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir trois camarades qui vont nous partager leurs différentes expériences et pour nous interpeller sur la façon dont ils ont mis en place les différents collectifs dont ils ont l'animation. Donc j'ai à ma gauche Agathe Leberdet, qui est au bureau de l'UGICT et qui est en charge d'animer le collectif Jeunes Diplômés de l'UGICT. Et à ma droite, j'ai Andrew Renaud, qui est l'animateur du collectif Jeunesse de la Fédération des Services Publics. Également à la CE fédérale de sa fédération. Et également à ma droite, Nicolas Cuvillier, de la Fédération Nationale Mines Énergie, qui travaille à la centrale nucléaire de Gravelines, et qui est ici en tant qu'animateur de la Commission fédérale Jeunesse de collectif jeune de sa fédération. Je vais commencer justement par donner la parole à Nicolas pour savoir un petit peu la place de la jeunesse dans la mobilisation retraite qui est en cours depuis maintenant quelques mois, et également la place de la jeunesse dans les différentes luttes professionnelles auxquelles qu'il mène dans son entreprise. Bonjour les camarades, enfin j'aurais envie de dire bonsoir. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps et pas à 19h pour partager un peu sur la place de la jeunesse dans la Confédération et dans nos fédérations. Je voudrais commencer pour dire que moi-même, je suis agent gréviste aujourd'hui, et ça depuis 4 semaines, comme tous les délégués de ma fédération, et jusqu'à notre secrétaire général. Donc on est dans la lutte avec les jeunes, et ça vous avez pu le voir lors des manifs. Vous pouvez le voir aussi sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde a les réseaux sociaux, l'importance qu'a les jeunes sur ce combat-là. Et moi, je suis très fier d'être co-animateur du collectif jeune à la Fédération Mines Énergie, parce qu'ils sont tous dans le combat. Voilà, donc ça, je tenais à leur passer un petit message. Je sais qu'ils peuvent nous regarder sur YouTube, et voilà, donc on lâche rien, et on va la dégager, cette contre-réforme des retraites. Donc nous, on a bâti avec le collectif jeune et la réforme actuelle, le bulldozer qui est en face de nous, car avec un gouvernement qui ne nous écoute pas, on a bâti ce collectif sur la partie revendicative qui nous était fort.
Et ben justement, pour dire d'être présent, pour dire que la jeunesse, elle soit mobilisée. Et ben justement, grâce à, j'aurais envie de dire, à cette lutte, même si on préférerait qu'elle n'ait pas lieu, et ben on voit justement que les jeunes, ils sont mobilisés. Ils sont présents, ils sont moteurs. Ils font partie intégralement de notre stratégie de lutte. Et ça, c'est le plus important et c'est ce qu'on a voulu bâtir à la FNME. Côté confédéral, je tiens à passer un message aussi à Nawel, qui a fait un gros boulot avec nous, qui est venu nous chercher, qui nous a, entre guillemets, qui nous a fait connaître tous ensemble, parce qu'on ne se connaissait pas, on travaillait tous dans nos fédérations. Et j'espère que par la suite, on pourra, dans la lutte, parce que c'est dans nos tripes, hein, dans le combat, on pourra travailler tous ensemble, parce que je déplore quand même, et ça c'est, je l'ai entendu dans différents discours, que toutes les fédérations n'étaient pas non plus à l'appel de ce combat. Nous, à la FNME, on est dans le reconductible depuis 4 semaines. Ça commence à être compliqué, mais on est des convaincus, avec d'autres fédérations. Alors, je ne vais pas les citer, mais on a nos camarades de cheminots, les jeunes qui viennent avec nous, Port et Doc et d'autres. Voilà. De toute façon, c'est ce que j'avais dit. J'aurais aimé monter sur ici, avec toutes, justement, tous les chasubles des fédérations qui sont dans la lutte, et des UD qui sont avec nous. Voilà, donc ça, je vous salue aussi, les camarades, parce qu'on a réussi à créer un collectif fort, et il ne faut pas qu'on lâche. Donc nous, je suis bon dans les temps. Ok. On a un temps, vous avez vu, un peu réduit, hein, et puis avec une salle qui s'est à moitié vidée, donc merci aussi aux camarades hein, qui sont restés. On a aussi un gros projet pour la FNME, je vais en parler, au-delà de la lutte, parce que la lutte, c'est quelque chose, mais on bâtit avec tout le collectif jeune et les activités sociales un festival d'énergie, Soulac, qui est en moyenne avec 16, à Soulac-sur-Mer, qui est en moyenne avec 16 000 personnes qui vont venir y participer. On espère sincèrement que lors de ce festival fin mai, on pourra fêter, et j'espère que ce sera bien avant, la victoire contre le gouvernement et contre cette réforme des retraites. Et ça, c'est notre objectif. Si on arrive à tout compiler, ce serait magnifique. Donc je vais laisser la place, parce que le temps est réduit, hein, vous l'avez vu, hein, donc je vais laisser la place à mes camarades. Et en même temps, je remercie Andrew, qui s'est déplacé spécialement de Nice, donc qui a fait le trajet, pour prendre la parole pendant 4 minutes. Donc voilà, je le salue. Et puis, merci les camarades. Merci pour ton témoignage. Je vais poser la même question, tout simplement, sans être très original, du coup, à Agathe, qu'on connaît pour ceux qui sont dans les cortèges parisiens, sont assez mobilisés et à l'aise avec le micro. Et donc, savoir comment la jeunesse se mobilise, notamment, du coup, les jeunes diplômés, puisque c'est le collectif que tu animes. Oui, donc, j'anime le collectif Jeunes Diplômés, qui est un collectif de l'UGIC, l'Union Générale des Ingés 4 Tech de la CGT. C'est un collectif qu'on a relancé en 2018 après le congrès de Perpignan et qui a pour fil conducteur de travailler sur les freins et les leviers à la syndicalisation de notre public qui sont les jeunes ingé 4 tech et agents de maîtrise. On s'organise surtout le soir sur des temps sur lesquels les camarades peuvent se rendre disponibles et on a pour objectif de s'échanger des conseils, d'orienter les camarades dans leurs organisations de la CGT, puisque des fois ça peut être difficile de savoir à quel orga on appartient et de trouver les bons contacts pour rejoindre l'orga. Et puis on a aussi pour objectif de produire des outils pour l'organisation, pour vos organisations, pour aller à la rencontre des jeunes ingé 4 tech dans vos entreprises, pour les convaincre de nous rejoindre et d'adhérer à la CGT. Alors sur la mobilisation, sur les retraites, on a fonctionné en plusieurs temps. D'abord, on a eu tout un temps de formation des cadres du collectif Jeunes Diplômés, qui s'est appuyé notamment sur les rencontres d'options qui ont été organisées en mai 2022 dans le patio de la CGT sur les retraites qui ont permis de former un ensemble de camarades sur ce sujet-là. On a aussi organisé des réunions du collectif Jeunes Diplômés en soirée pour les former à ce sujet, qu'ils se l'approprient totalement. Notamment, ce qui était important pour convaincre les jeunes diplômés, c'est la question des alternatives de financement. Parce que de prime abord, pour des gens qui sont censés travailler et cotiser pendant 43 ans avec nos générations, c'est pas évident de se dire qu'on est concerné par la réforme des retraites. Et du coup, il fallait justement leur dire qu'au contraire, ils étaient totalement concernés. Il fallait aussi lutter contre le défaitisme qu'il peut y avoir dans nos catégories et à nos âges. Donc on leur a rappelé l'expérience du CPE en 2006, la force de la jeunesse à ce moment-là dans cette mobilisation, et puis l'enjeu de ne pas pratiquer la grève par procuration qu'on retrouve beaucoup dans nos catégories et qu'il faut pouvoir transformer en mobilisation concrète par la grève. Donc on a produit des décryptages sur les jeunes diplômés. On a rappelé aux jeunes que pour un cadre qui touchait sa pension à la fin des années 80, la pension représentait 70% de son dernier salaire, mais pour un cadre homme né en 1996, ça représentera que 50%
30%, et donc ça laisse une porte complètement ouverte à la retraite par capitalisation, ce à quoi les jeunes sont globalement plutôt opposés, notamment au vu des impacts environnementaux de ce mode de retraite privée. Et puis on a discuté dans ces réunions-là, dans nos réunions nocturnes, sur comment mobiliser concrètement nos collègues jeunes ingés et cadres, et en se donnant des conseils pour le faire. Alors on est obligé dans le collectif de se donner et de vraiment de s'encourager sur toutes les petites victoires qu'on peut gagner les unes et les autres, parce que c'est très difficile évidemment de mobiliser nos catégories. Quand on arrive à réunir 5 personnes en assemblée générale, quand on arrive à ramener un collègue en manifestation, c'est une petite victoire qu'il faut réussir à fêter avec les jeunes. Et le point d'appui qui était important pour nous, c'était d'avoir des récits à leur raconter, et notamment tous les récits des structures spécifiques de la CGT. Je pense par exemple à l'UFICT Mine Énergie, qui a des histoires de mobilisation d'ingé, cadre, technicien. Je pense au centre d'ingénierie de Marseille, par exemple, qui arrive à réunir des dizaines d'ingé et cadres en AG et d'organiser une heure de grève par jour, la grève des mails, etc. Des modalités de lutte qui sont accessibles à nos catégories. On a produit, à la suite de ces réunions, ce tract que vous pouvez retrouver sur le stand de l'UGICT, qui est un tract de mobilisation que vous pouvez distribuer dans vos organisations pour appeler les jeunes ingé-cadtech à se mobiliser. Et c'est un tract qu'on distribue dans des zones où on sait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, par exemple la station F à Paris, qui est une sorte d'incubateur à start-up, donc on sait qu'on va trouver notre public. On distribue aussi en manif ces autocollants de l'UGICT, et en échange on récupère les contacts des gens et on les ajoute à notre collectif pour que derrière ils adhèrent à la CGT. Voilà les différentes méthodes qu'on a mis en œuvre, et ça porte ses fruits parce que depuis le 19 janvier et le début de la mobilisation, on a reçu plus de 100 demandes d'adhésion à la CGT de jeunes ingé-cadtech de moins de 35 ans qu'on traite, et à chaque fois, et oui, les jeunes diplômés veulent nous rejoindre. Et à chaque fois, on leur envoie un texto et on leur propose de rejoindre le collectif et surtout de les orienter dans leurs orgas le plus rapidement possible. On les met en lien avec les autres collectifs jeunes diplômés quand ils existent, soit des UD, soit des fédérations, pour que derrière, ils puissent au plus vite s'impliquer dans la CGT. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps, Victorin, ou si j'ai totalement dépassé. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir. On est plusieurs du collectif jeunes diplômés à être sur le congrès cette année. Merci Agathe pour ton témoignage. Tu nous as beaucoup parlé du coup de l'importance des soirées, des réunions nocturnes, tu as évoqué, en dehors du temps de travail, qui était important pour votre structuration. C'est l'occasion du coup de faire le lien et de la transition avec l'intervention d'Andrew, qui va nous parler notamment du FestiJeune mis en place dans sa fédération et qui est un outil de mobilisation qui va nous expliquer plus en détail. Bonjour les camarades. Donc voilà, je suis Andrew, donc, du collectif jeune de la FDSP. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'un festival qu'on a réussi, grâce à notre fédération, à mettre en place, et grâce à la confiance qui nous a été accordée et à la place qu'on a donnée aux jeunes dans notre fédération. Ça s'appelle le FestiRed. Alors ce n'est pas un festival uniquement pour faire la fête, boire et s'amuser pendant 3 jours. Non, c'est vraiment un festival qui a pour but de pouvoir discuter, rassembler sur des sujets d'actualité et mobiliser la jeunesse et notamment les territoriaux dans certaines actions. Le mot RAID n'a pas été choisi au hasard, rouge pour la CGT, mais également RAID pour rassemblement, égalité et diversité. Aujourd'hui, cette année, il y aura la 7e édition de ce festival qui est pour nous une vraie réussite. Après quelques années difficiles à pouvoir mettre en place ce festival, à attirer les jeunes, à faire comprendre que c'est un festival qui a pour but de pouvoir discuter de certains sujets. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec l'année dernière, une année complète, où on a même dû refuser certains jeunes de département parce qu'ils venaient à trop, à 5 au lieu de 2 ou de 3. Et donc cette année, on a dû élargir notre capacité d'accueil et on va rassembler 100 jeunes au Cap d'Agde. Donc c'est une vraie réussite pour nous, avec notamment 3 sujets d'actualité qui nous tiennent à cœur. Ce sera donc la réforme des retraites et on espère aussi fêter la victoire et gagner contre le gouvernement. Mais il y a 2 autres sujets qui sont importants aujourd'hui et que la CGT doit prendre à la hauteur. C'est les discriminations LGBT
où on va faire intervenir l'association Le Refuge pour venir discuter des idées de la CGT dans le monde du travail et combattre les violences LGBT dans le monde du travail. Et on aura l'intervention sur un sujet qui, je pense, autour de la table et dans ce congrès, nous concerne tous, c'est la montée du fascisme et de l'extrême droite. Et donc, on aura la participation du nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place sous Lula au Brésil, avec un intervenant jeune qui viendra nous parler des 4 ans passés sous Bolsonaro, et le syndicat CGT italien, bien évidemment, qui, eux, viennent de passer à l'extrême droite. Et pour la CGT, il est important de réaffirmer nos valeurs et de dire que l'extrême droite, c'est non, et que nous devons la combattre, et en passant dès le départ par la jeunesse. Au-delà de ce festival, notre collectif jeune, et on en est aussi fiers auprès de notre fédération, c'est que l'année dernière, on a pu enfin, comme le disait mon camarade, se rassembler avec les fédérations et créer un lien avec les collectifs existants des fédérations. Il manque, et on sait aujourd'hui que certaines fédérations pêchent à avoir des jeunes ou monter un collectif jeune, mais on les incite fortement à nous contacter, à venir vers nous pour qu'on puisse ensemble créer dans certaines fédérations un collectif jeune, monter des choses pour que les jeunes se mettent justement autour d'une table et discuter. La CGT de demain, ça sera la jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il est impératif que la CGT laisse la place aux jeunes dans les responsabilités, que ce soit du syndicat, aux UL, aux UD, aux fédérations et à la confédération. Moi, je tiens particulièrement à remercier notre fédération, qui met tout en place au niveau technique et au niveau financier. On est 5 aujourd'hui dans notre collectif jeune, sur un secteur géographique vraiment éparpillé. On représente Nice, Montpellier, Lyon, les Hauts-de-France et Paris, dans une diversité de métiers qui est totalement différent, de policier municipal à aide-soignant, à ASEM, à auxiliaire de crèche et à agent des eaux. Donc c'est vraiment une vraie réussite et on espère pouvoir encore se développer, continuer et revenir dans 4 ans encore plus fort avec plus de jeunesse dans ce congrès. Merci. Merci Andrew et donc merci à vous trois pour vos différentes expériences et qui sont tout de même différentes, diverses, mais qui convergent vers un intérêt commun, celui de la syndicalisation des jeunes et de leur renforcement, de leur mobilisation dans le mouvement des retraites, mais dans l'ensemble des mouvements et de nos luttes. Et comme les jeunes ne sont pas les seuls à aimer les soirées, les moments conviviaux, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et tous. Vive le 53e congrès et vive la CGT. Merci les camarades. C'est la jeunesse qui fera perdurer la CGT encore 128 ans au moins. Donc il faut les soigner, il faut faire en sorte qu'ils adhèrent à l'organisation. Merci et désolé de ne pas avoir pu vous donner plus de temps de parole parce que c'était très intéressant et ça aurait mérité d'aller un peu plus loin. Des petites infos avant que vous partiez quand même. On va pas vous laisser partir comme ça, vous allez partir sur une jambe. On a clôturé, pour information, les inscriptions de demandes d'intervention sur le thème 3 à 18h. Parce qu'en fait, c'était l'heure où on devait finir. Bon, on a laissé les camarades sur cet horaire, comme ça ils vont pouvoir bosser pour vous préparer aussi la séance de demain. On rappelle également qu'il faut ramener tous les boîtiers électroniques qui doivent être déposés pour être rechargés pour la séance de demain. La motion d'appel du congrès est en cours de rédaction, le bureau du congrès y travaille encore et donc elle sera sûrement présentée demain matin. Pour les membres du CCN, dès que la séance sera levée, c'est-à-dire dans très peu de temps, on se donne rendez-vous à la salle du Puy de Sancy. C'est à la sortie de la salle des exposants, au lieu d'aller à droite pour manger, on s'en va à gauche. Les membres du CCN doivent être munis de leur feuille de convocation pour pouvoir entrer dans la salle et voter. Donc pensez bien à récupérer votre feuille, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la salle. Et on abordera la question du comité de gestion Cogétis, de la CEC et de la CFC. Demain matin, s'il vous plaît. Demain matin, nous aurons en présidence Dominique Besson-Milor, donc qui sera présidente, elle est de l'UDI Ille-et-Vilaine. Nous aurons en assesseur un Cyril Baudier,
de l'UD de l'Indre-et-Loire et en assesseur 2, Cathy Savelle de l'UD 03, UFR, organismes sociaux. Voilà, je vous remercie de la patience et de l'importance des débats qu'il y a eu avec la qualité du débat qu'on peut, pour vraiment avoir l'idée de faire avancer la CGT dans le bon sens. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Et à demain matin, frais dispo à 6h. Non ? Vous voulez pas ? Bon, alors ce sera 8h30 le départ du petit film, donc essayez d'arriver à 8h. Mais je crois que vous avez les bus de toute façon qui sont calés avec ça. Et vos bus ne sont pas partis, ne vous inquiétez pas, ils vous attendaient. Merci, bonne soirée, on lève la séance.